Petit glitch d'XP sur la saison 3 de Fortnite. Quand vous arrivez dans la map, je vous conseille d'attendre 10 minutes avant d'interagir avec les boutons pour gagner encore plus d'XP. Quand vous avez attendu les 10 minutes, vous allez en plein milieu de la map. Et le premier glitch que je vais vous présenter, il se trouve à côté de la box respawn. Donc vous allez près du pad qui est juste ici. Et là, vous allez construire des rampes jusqu'au-dessus. Marchez bien au milieu et vous allez être téléporté vers un temple. Et dans ce temple, vous allez tout simplement continuer tout droit jusqu'à ici là. Ensuite, vous montez d'un étage, genre par ici. Et là, à côté gauche de la tête, donc près de sa dent, vous avez un bouton d'XP. Donc vous interagissez avec. Là, ça va vous donner de l'XP en illimité. Alors le prochain, il se trouve au-dessus du spawn. Donc là où vous apparaissez. Donc ce que vous faites, c'est que vous créez une rampe pour monter jusqu'au-dessus. Voilà, comme ceci. Là, vous allez devoir sauter parce que vous ne pouvez plus construire. Donc vous sautez sur les vitres. Et là, vous allez dans le coin juste ici. Et normalement, il y a un bouton d'XP. Vous interagissez avec. Là, ça va vous donner beaucoup d'XP normalement. Bon, pas tant que ça. C'est pas grave, je vais vous en montrer d'autres. Alors, les prochains, ça donne quand même un peu d'XP, mais c'est pas encore foufou. Le prochain, c'est ici. Donc là, il y a la box respawn. Il y a les deux rampes. De toute façon, il n'y a que deux rampes dans cette map, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous construisez à gauche des deux rampes, vous marchez bien au milieu, et ça va vous téléporter dans un nouvel endroit. Donc, hop, voilà. Là, il y a une tour, vous montez jusqu'au dernier étage. Ensuite, vous rentrez dans la pièce, et dans le coin ici à gauche, il y a un bouton d'XP. Vous interagissez avec. Parfait. Ensuite, vous retournez là d'où vous venez. Ensuite, ici, vous allez construire une rampe pour aller jusqu'à la montgolfière qui est juste là-bas. Vous allez au pied de cette montgolfière et là, vous allez faire des émotes pour gagner de l'XP. Donc, vous spammez les émotes pour gagner des XP. Voilà. Ensuite, vous descendez, continuez votre chemin et vous descendez ici sur le petit rocher juste là. Hop. Vous montez par ici. Et là, vous avez un bouton. Vous interagissez avec. Et boum, ça vous donne de l'XP encore. Ensuite, ici, vous avez à côté du Secret Vault, à gauche, vous avez un pad. Vous allez construire des rampes jusqu'au-dessus. Et là, ici à droite, normalement, il y a un petit bouton qui est difficile à voir. Ah voilà, il est là. Vous interagissez avec et boum, ça vous donne encore de l'XP. Alors ensuite, toujours à droite du Secret Vault, là, vous allez créer une rampe vraiment au coin. Donc regardez, là il y a un coin. Vous créez une rampe juste ici. Vous en créez 3, 1, 2, 3. Ensuite 3 sols, 1, 2, 3. Il y a encore une rampe. Et là normalement il y a encore un bouton d'XP quelque part. Il faut que je le trouve. Elle est là. Elle est juste ici. Vous interagissez avec, ça vous donne de l'XP. Et je pense qu'il en reste un que je dois vous montrer. Oui, c'est ça. Il en reste un qui se trouve au-dessus du respawn. Donc vous construisez, vous vous mettez bien au milieu de la box respawn. Donc vraiment bien au milieu. Donc de trois sols. Ensuite vous mettez une rampe et vous en mettez 4 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Et ça va vous téléporter, marcher bien au milieu de la rampe. Ça va vous téléporter ici. Là vous allez tout simplement dehors sur le pilier électrique. Et là juste ici il y a un dernier bouton d'XP. Qui va vous rapporter encore pas mal d'XP. Donc voilà pour le glitch d'aujourd'hui.